Boumi, je suis super mal en ce moment. Ah ouais? Pourquoi? Ça va bientôt être l'anniversaire des tempêtes de décembre. Mais arrête de te prendre la tête pour les fêtes de fin d'année. Tu fais comme moi. Tu fais la teuf, tu dragues. Tu baises. Tu sais qu'il est possible que ça recommence. Bah d'accord, la météo en ce moment, elle pue sous les bras. Mais je pense pas qu'ils remettent le bordel tous les ans. Je vais te faire une confidence, Boumi. Les tempêtes de décembre. Eh ben, c'est l'armée, mon vieux. Je l'ai lu dans un journal hyper renseigné. Il paraît que les militaires ont une arme cataclysmique et avec, ils ont déclenché les tempêtes de décembre. Wow, et t'aurais pas un peu forcé sur les pousses de soja transgénique, toi? Pas du tout. La météo depuis un an, c'est la merde. La moitié de l'Angleterre sous 2 mètres d'eau. Attends, tu trouves ça normal, toi? Ah non, 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 non. Non, c'est pas normal. L'été pourri, les pluies discontinues, la mauvaise récolte de Mirabelle dans les Vosges. Mais c'est l'armée! Ah ouais! Eh, dis Lakmi, tu sais quoi? C'est le complot qui s'appelle Weather Weather Storm of Destruction of the Death. T'en as entendu parler, toi aussi? Mais of course! Et sur Internet, ils disent même qu'ils ont décidé d'anéantir la nouvelle économie. La nouvelle économie? Mais c'est nous! Oh putain. Après la dégringolade du Nasdaq, il manquait plus que ça. T'es vraiment un bouffon. Pourquoi tu dis ça? Mais tu crois tout ce qu'on dit, Weather Weather Storm machin truc, là, je viens de l'inventer. Ouais, mais l'armée qui détraque le temps, c'est possible, hein? Et si je te dis que la SNCF fera plus jamais grève, tu me dis que c'est possible, ça? Tu sais pourquoi t'y crois pas, Boumi? Hein? Parce que ça te fout la trouille. Et tu sais ce qui me fout la trouille? C'est que t'as le QI d'une moule. Bah, monsieur Waller, on fait plus notre réunion de coordination? Justement. Bougez pas les petits gars, j'en ai pour une minute. Comme je le dis toujours, quand la merde percute le ventilo, il faut pas être dans la pièce.